De Péninsule à Paris, nommé meilleur hôtel parisien en 2021 par les lecteurs du magazine Condé Nast Traveler. Établissement mythique de la capitale parisienne avec ses hauts plafonds, ses moulures et ses dorures qui nous replongent en pleine période de la Belle Époque, l'hôtel accueille depuis plus d'un siècle une clientèle à la fois parisienne et internationale. Ouvert depuis le 1er août 2014, le bâtiment iconique haussmannien a su élever les standards en matière de design, de luxe et de confort pour atteindre le plus haut niveau d'excellence. Le tout avec 200 chambres luxueuses, parmi lesquelles 86 suites, dont 5 disposant de jardins privés sur les toits et une vue panoramique sur les monuments les plus emblématiques de la ville lumière. Les restaurants de l'hôtel associent quant à eux le meilleur de chacune des cultures de l'Orient et de l'Occident qui définissent si bien l'établissement. Au sein du restaurant L'Oiseau Blanc, étoilé au guide Michelin et situé au 6e et dernier étage de l'hôtel, le chef exécutif David Bizet et son équipe offrent au déjeuner ou au dîner un voyage gastronomique sans pareil sur les toits de Paris, en tête à tête avec la majestueuse Dame de Fer. La partition culinaire de Lily, réalisée par le chef Dikito, est, comme le décor, un savoureux mélange d'inspiration chinoise et française. Pour les visiteurs en quête de détente et de relaxation, le spa de l'hôtel de Péninsule à Paris est le temple rêvé du bien-être. Et enfin, pour les amateurs d'art, de Péninsule à Paris s'associe à la Galerie Templon, galerie d'art parisienne établie depuis 1966 et lance un nouveau programme d'exposition. Des œuvres au cœur de l'hôtel qui stimulent les sens et invitent à la réflexion. Un programme dédié à l'art que de Péninsule à Paris poursuivra tout au long de l'année 2022.